Il y a 51 000 disparitions de mineurs par an. Un tiers ne sont pas retrouvés, que sont devenus ces enfants. On voit que les merdias, le gouvernement, cachent la vérité ou ne parlent pas de ça. C'est plus que navrant, mais quand on sait que des policiers, des hauts magistrats trempent là-dedans, on comprend ce qui se passe et c'est révoltant. Tout ce qu'on pisse, tout ce qu'on labo, et dans le pire vice, c'est pas beau. Tout ce qu'on pisse, tout ce qu'on labo, ça n'est pas prêt de changer de sitôt si on ne fait rien. Et oh, pendant que ça ferme les yeux tout le temps, y en a qui remplissent leurs caveaux. Et les milices de Macron, elles agissent pour mettre les antipédos au cachot. Honneur et courage à Stan Mayo. Oh oh oh, on sur les lâches, les défaitistes et les salauds. Alors que des résistantes et des résistants font des actions pour aider au meilleur changement. Des agents poussent à ne rien faire et attendre patiemment que certains le fassent à notre place. Mais faut regarder la réalité en face, un humain sauveur mon cul. Alors tous dans la rue, toutes dans la rue, pour écrire à la craie et crier stop pédocriminalité. Oui allez, tous dans la rue, toutes dans la rue, et écrire sur les panneaux stop au réseau pédocriminel et pédosataniste. Allez les vrais gens en piste, leur est au malheur pour les violeurs, les tortionnaires, des enfants, et à la joie, au bonheur pour les combattants de la justice et les libérateurs. Oui car très bientôt on va aller les délivrer, plus que jamais j'attends, ça fait trop longtemps. Septembre 2020 sonne la fin de l'impunité, oui maintenant on va aller les délivrer, plus jamais j'attends, ça fait trop longtemps. Septembre 2020 sonne la fin de l'impunité, oui maintenant allons libérer tous ces enfants. Allons libérer tous ces enfants. Oui, c'est maintenant. Libération de tous les enfants sur toute la terre.